Catherine Matoche est une journaliste réputée et bien connue qui semble absente depuis plusieurs années de son métier, ou de son univers. Et la raison serait très importante, car cette dernière serait atteinte d'un cancer. Une annonce choc, qui a notamment secoué le monde du journalisme. C'est une profession qui demande de nombreuses ressources. Mais également de nombreux sacrifices, qui demandent à être grandement réfléchis. En effet, il faut savoir que de nombreux métiers demandent de nombreuses ressources. Cela peut à la fois concerner des ressources financières, ainsi que des ressources énergétiques. Les chemins sont longs et doivent être pris de la meilleure manière possible. Il faut notamment savoir que le métier de journaliste est très difficile et complexe. Il doit notamment être pris avec précaution, car plusieurs travaux existent sur ce dernier. Catherine Matoche est une journaliste qui a su se faire un nom dans cet univers. Et ce, de manière assez simple et à force de courage, elle a réussi à entrer dans cet univers compétitif. Mais Catherine Matoche est absente depuis quelque temps de son travail, et il existe une raison à cela. En effet, elle a avoué se battre contre un cancer. Catherine Matoche est présente depuis de nombreuses années à l'antenne sur certains programmes, devenant ainsi une figure familière que les téléspectateurs pouvaient voir à la télévision. Cette dernière est absente depuis quelque temps. Et tout ceci a notamment grandement inquiété ces derniers, qui se sont demandé ce qu'il se passait. Ainsi, de nombreuses personnes ont voulu savoir ce que devenait cette journaliste, se demandant pourquoi elle n'apparaissait plus à la télévision. Et Catherine Matoche a décidé de lever le voile sur les raisons de son absence. En effet, cette dernière s'est exprimée sur une interview, concernant son absence de mars à mai 2022. Elle a notamment précisé que cela était dû à la lutte contre une maladie, qui n'est autre qu'un cancer des poumons. Elle précise également par la suite, la chose suivante, la vie a été compliquée depuis un an et demi. J'ai enchaîné plusieurs arrêts maladie à cause, entre autres, d'un cancer du poumon. Catherine Matoche précise notamment que sa prise de parole devrait avoir un éveil de conscience. En effet, elle souhaite en parler afin que les gens se fassent dépister et soigner dans le meilleur délai possible. Elle fait notamment référence à Jean-Pierre Pernaut qui a malheureusement succombé à sa maladie en ce début d'année 2022. Un départ choquant et inattendu, qui a ému la France entière. Ainsi, elle évoque la chose suivante, c'est bien d'en parler, comme il l'a fait. J'en parle ici pour la première fois. Dans mon cas, heureusement, la maladie n'en est pas au même stade et a été traitée à temps. Catherine Matoche n'a pas eu que de bonnes nouvelles dans sa vie, et notamment concernant ces derniers mois. En effet, cette dernière a tout de même voulu rassurer ses fans sur sa lutte contre le cancer des poumons. Elle précise notamment qu'aujourd'hui tout va mieux, et qu'elle va bien, permettant de pouvoir entrevoir un avenir plus heureux et rose.